Les entraîner, il faut bien les séduire. Il faut bien leur dire, viens, tu vas voir, des beaux uniformes, des beaux défilés, nous allons conquérir l'Europe ensemble. C'est exactement le discours que tenait Napoléon aux jeunes Français et que Hitler, avec tous les moyens de l'époque, tenait aux jeunes Allemands. Et moi, je l'ai entendu parce que j'avais l'âge qu'il fallait, l'âge de grossaire, c'est-à-dire que nous avions 9 ans quand les nazis ont pris le pouvoir, et 14 ans quand la guerre a éclaté, et nous avons entendu ce discours. Mmh. Mais je ne trouve là-dedans aucune excuse. Qu'est-ce que ça veut dire, une excuse? C'est absurde. Excuser qui, quoi? Excuser ceux qui se sont laissés séduire. Il avait qu'à être plus intelligent. Moi, je ne me suis pas laissé séduire, alors je ne trouve pas excusable de s'être laissé séduire. Il y en avait, oui, alors oui. Vous remarquerez que oui. Ceux qui se sont laissés séduire parmi les Français, c'est assez curieux, connaissaient très mal l'Allemagne. Par exemple, Brasillach, qui a été un des pires Français nazis, qui a été fusillé, il ne savait pas un mot d'allemand. Il avait été une fois en Allemagne en voyage officiel, entouré de nazis, n'est-ce pas? Il ne connaissait pas l'Allemagne. Mm-hmm. Quand on la connaissait, on était vacciné contre la propagande nazie, vous comprenez? Mais si vous avez toujours défendu comme ça le régime de l'Allemagne de l'Est jusqu'en 89, mm-hmm. Est-ce que c'est par nostalgie de l'esprit prussien? Non, mais je vais vous dire une chose. J'ai vécu, comme vous l'avez suffisamment dit, j'ai vécu toute la période nazie à une époque où on pouvait la vivre, la sentir et en souffrir. Et ce que je n'oublierai jamais, et je le dis assez souvent en Allemagne, et ça me vaut beaucoup de critiques, je n'oublierai jamais que les grands d'Allemagne de l'Est, les Honecker, les Marcus Wolf, etc., je continue à avoir des relations avec Marcus Wolf, l'ex-patron de la Stasi, oui, étaient des héros de la résistance anti-nazie. Ah, vous le revoyez toujours, Marcus oui. Wolf? Ils ont mis leur vie en jeu pour lutter contre le nazisme. Eh bien, c'est une chose que je ne peux pas oublier, quels que soient les torts qu'ils aient pu avoir ensuite. Et Adenauer, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Adenauer, n'est-ce pas, c'était un Rhénan catholique, mm-hmm. et il est responsable de la scission de l'Allemagne et de la création de l'Allemagne de l'Est. C'est lui le grand diviseur de l'Allemagne. Staline lui a proposé 2 fois la réunification. Il n'a même pas répondu, parce que Staline lui disait, on va réunifier l'Allemagne, nous abandonnons notre... Bon, et il y avait une condition, pour l'Allemagne, pas une arme, pas un uniforme, pas une alliance. Mm. C'est-à-dire que tout le système de l'OTAN s'effondrait, et toute la politique d'Adenauer, qui était dirigée à fond vers l'Ouest et vers les Américains, était bafoué et était annulé. Et ça, évidemment, Adenauer ne pouvait pas admettre une chose pareille. Et c'est lui, Adenauer, qui a provoqué la création de l'Allemagne de l'Est. Jamais Staline n'aurait fait une Allemagne de l'Est. Alors, attendez, Michel Tournier, c'est vrai qu'on ne va pas vous parler de la réunification allemande. On vient de fêter le 5e anniversaire. Est-ce que c'est une Allemagne qui vous plaît aujourd'hui? Bien sûr qu'elle me plaît. J'ai toujours dit, j'allais en Allemagne de l'Est et je répétais toujours que la division de l'Allemagne en deux était une aberration. Alors, les officiels se bouchaient les oreilles pour ne pas avoir à me mettre à la porte. En prison, c'était difficile, j'étais un étranger, mais ils auraient pu me mettre à la porte. Et ils se bouchaient les oreilles. Mais je l'ai toujours dit que la division de l'Allemagne était une aberration. Mais je n'avais pas prévu la réunification, comme je l'ai vu faire, et il y a beaucoup d'aspects qui m'ont vraiment choqué. Mais aujourd'hui, elle vous convient, cette Allemagne réunifiée? Qu'est-ce qui vous déplaît? Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette Allemagne? Rien ne me fait peur, mais je n'ai pas aimé... Vous comprenez, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit aux Allemands de l'Ouest, on va vous prendre de l'argent, on va augmenter les impôts, tout ça parce que ces pauvres Allemands de l'Est ont besoin de tout cet argent. Alors, il y a une espèce d'arrogance de l'Allemand de l'Ouest qui dit « C'est moi qui paye, hein ? C'est moi qui paye. Alors vous n'avez qu'à la fermer. » Et je n'aime pas ça. Il y a une arrogance de l'Allemand de l'Ouest. Alors attendez, Michel Tournier, on va passer à notre sujet, à la photographie, parce qu'on sait que vous êtes également président des rencontres du Festival d'Arles. Oui, enfin, j'ai été un des 3 créateurs. Les rencontres photographiques internationales d'Arles ont été créées il y a 26 ans par Jean-Maurice Rouquette, conservateur des musées d'art, Lucien Clerc, le grand photographe arlésien, et puis moi qui arrivais derrière un petit peu comme ça, là, en touriste. Et ça a été une réussite énorme.
Et ça a continué à tel point que nous nous sommes retirés tous les trois, n'est-ce pas? On regarde ça maintenant d'un petit peu loin. Il y a une maison qui fonctionne toute l'année. Et il y a des Alors, stages. Attendez, alors justement, qu'est-ce qui mène le monde aujourd'hui? C'est la littérature ou la photo? Moi, c'est la littérature, voyons. Quelle question. Ça va, c'est la toi. Littérature. Alors, on va regarder certaines photos. Je vais vous demander de porter un regard. Donc, il s'agit de photos pour la campagne Benetton d'Oliviero Toscani. Je voudrais que vous les commentiez. Sur les fesses, oui. Voilà. Archivé positive, oui. Ça fait scandale. Les fesses, c'est un peu choquant. Et archivé en plus, c'est épouvantable. On aurait pu mettre une pustule. On aurait pu mettre un énorme furoncle sanguinolent, n'est-ce pas, pendant qu'on y était. Si on veut choquer, allons-y. Ou alors montrer un visage avec les yeux crevés qui dégoulinent sur les joues. Vous comprenez? C'est la photo choc. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt. C'est facile. C'est très facile et je n'aime pas les... Si vous voulez, j'ai beaucoup de méfiance à l'égard des photographes qui font des faits divers. Qui font des faits divers ou qui font des photos de guerre. Capa était un très grand photographe, mais photographier des blessés ou des morts sur les champs de bataille, je trouve que ça n'est pas de la grande photographie. Et les barbelés? Ben, la oui. Dernière campagne de Benetton. Oui, non, ça ne me... Non, c'est du choc, on cherche le choc. La photographie, c'est pas le choc. Alors justement, je voudrais que vous nous disiez en quelques mots, d'abord, un, qu'est-ce que le choc pour vous d'une photographie? Et puis deux, votre choc photographique, quand vous étiez petit, que votre papa vous a offert un appareil photographique. Oui, alors avant, c'était mon grand-père qui était pharmacien. Et ouais. Comme pharmacien, vous savez qu'il y a 100 ans, c'était un peu de la chimie de faire de la photo. Il fallait faire les plaques soi-même, il fallait les développer soi-même, on allait pas chez le photographe du coin, il n'y en avait pas de photographe du coin. Et il fallait tout faire soi-même. Alors, le photographe, le pharmacien du village, était un petit peu préparé à cette chimie particulière qui s'appelait la photographie. Et mon grand-père, qui était né en 1865, je vous dis ça pour que vous voyez un peu son époque, était le photographe du village et il a fait défiler chez lui les jeunes mariés, les communiants, les troufions qui partaient au régiment. Et il avait une véritable véritables archives. Et tout a été détruit quand il a pris sa retraite. J'étais trop jeune encore pour pouvoir m'y intéresser et essayer de sauver quelque chose. Et je le regrette beaucoup. Parce que je pense que les visages des gens ont changé. Oui. Et que les visages d'il y a 100 ans étaient intéressants. Mais vous pensez que la photo n'est pas faite pour choquer quand même? Non. Pour surprendre, pour... Non, c'est une utilisation de la photo. On peut utiliser la photo à toutes les fins possibles et imaginables. C'est comme l'écriture, hein. Vous pouvez faire des vers, mais vous pouvez aussi écrire une lettre de dénonciation. Enfin, vous avez bien déjà choqué avec votre écriture. Oh non, j'espère que je ne choque pas, moi. Si, je choque. Ah, les météores, non, un petit peu, hein. Un petit peu, les météores. Un petit peu, hein. Bon. Donc alors, la photo a bien le droit de choquer aussi. Ça peut être aussi un... Oui, mais il y a choc et choc. Le choc à l'état pur, le choc publicitaire, n'est-ce pas? Je veux bien. Mais la photographie, la grande photographie, c'est autre chose, vous savez. Mais qu'est-ce que vous ne nous avez pas répondu? Enfin, vous ne m'avez pas répondu. Comment ça s'est passé, ce contact entre vous et votre père, quand il vous a justement offert ce premier appareil? Non, mais c'est d'abord mon grand-père qui m'a montré qu'il faisait des photos sur plaque, en verre, n'est-ce pas, avec le plus grand soin. Oui. Et puis ensuite, on m'a offert un appareil de photo. J'étais très bien préparé à cela. Et j'ai fait des photos, je photographiais tout. Et puis, alors, il y a eu le grand phénomène, pour moi, le grand tournant. Ça a été en 1960, là se crée la deuxième chaîne de télévision, et je propose un projet, une émission d'une demi-heure par mois sur la photographie, ça s'appelle Chambre Noire. Oui, oui. Et alors c'était extraordinaire parce que ça m'obligeait chaque mois à passer une semaine entière avec un grand photographe. Il m'expliquait tout, il me disait tout, il répondait à toutes mes questions, il me montrait tout. Et... Attention, comme c'était en 1960, il y avait encore un tas de grands monstres sacrés, Bill Brandt, Jacques Lartigue, Brassailles, et puis Kertész, enfin, des gens fabuleux qui étaient les pères de la grande photographie moderne, qui sont tous morts aujourd'hui, ça ne serait plus possible. Et ça m'a donné alors vraiment une culture photographique qui est assez rare, car personne n'a passé une semaine avec Kertész, une semaine avec Lartigue, une semaine avec Brassailles. Et ça m'a ouvert les yeux, et j'ai beaucoup utilisé la photographie dans ma littérature, et j'ai écrit des livres sur la photographie. Et quel genre de photos avez-vous chez vous? Au mur, par exemple? J'en ai pas.
Alors, si vous voyez, ma maison, les murs sont vierges parce que je me méfie des images. J'en ai trop vu. Et elles sont trop obsessionnelles. Et je préfère un mur blanc sur lequel je peux projeter ce que je veux. Michel Tournier, d'abord, je vous remercie d'être venu ce soir à cette émission parce qu'il est vrai que vous intervenez très, très peu dans les médias. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez une certaine méfiance à l'égard des journalistes ? Écoutez, les journalistes, ils font un métier qui est très difficile. Ouais. Et... pour deux raisons. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas le faire non plus. Alors, je ne veux pas faire ce métier parce que le journaliste est soumis à deux suggestions. La première, c'est l'actualité. Il faut qu'il parle de l'actualité. Voilà. On parle du Rwanda à un moment donné, puis ensuite on parle de l'Albanie, et puis ensuite, on parle aujourd'hui du métro du Japon, parce qu'il y avait des poisons, des gaz empoisonnés dans le métro du Japon. Et puis le lendemain, on parle d'autre chose. Je n'aime pas ça. Mais ce qui est beaucoup plus grave... Est-ce que les journalistes sont des organisateurs de spectacles? Oui. Comme vous aviez pu le dire en 1980, absolument, dans une certaine émission, Flashback. Réécoutez-vous. Tout ce que je veux dire, c'est que dans la presse et la télévision en particulier, il y a une grande partie d'organisation de spectacles. Il faut que vous fassiez votre spectacle quotidien. Alors vous prenez tantôt un sujet, tantôt un autre, et puis un beau jour vous estimez que le sujet est usé, qu'on ne peut plus en parler. Alors on efface tout et on prend un autre sujet. Là, vous étiez très remonté contre les journalistes. Non, mais c'est vrai ce que je disais. On use un sujet et ensuite, on le jette et on en prend un autre. Et puis, il n'en est plus question. Vous comprenez ? Comme en littérature, un peu. On prend un sujet. Ah non, parce qu'on revient sur les chefs-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre sont faits pour être relus et les poésies pour être apprises par cœur. Et puis, il y a autre chose beaucoup plus grave chez les journalistes, c'est qu'ils sont tenus d'être les porte-parole et les défenseurs de l'idéologie officielle. Voilà. Vous vivez dans un pays communiste, vous êtes journaliste, il faut être communiste. Vous vivez dans un pays nazi, vous êtes journaliste, il faut vivre, il faut être nazi. Et aujourd'hui, en France, alors ? Eh bien, aujourd'hui, il y a... On a un Premier ministre qui s'appelle Édouard Balladur, un président... Oui, non. Il y a une idée... On ne vit pas sous un régime de crise, comme les régimes de guerre, par exemple, où vraiment la pesanteur est horrible. Mais on vit avec une certaine douceur, une certaine prospérité. On est quoi, Michel Tournier, aujourd'hui? Eh bien, on est 5e République et changement de... Oh, c'est une réponse d'homme politique, là. Ah ben, écoutez, moi, je vous donne le régime officiel, mais enfin, il y a une idéologie qu'il faut défendre. Vous êtes obligé d'être démocrate. Vous aussi, vous êtes 5e République Ça m'est un petit peu égal, je vous avouerai. Mais moi, j'ai vu les... Vous êtes démocrate, quand même, vous, aujourd'hui. J'ai commencé à lire les journaux à 14 ans. Et c'était la déclaration de guerre en 1939. Alors, tous les journaux disaient, les Allemands sont foutus, on va les avoir, on est les plus forts. Dès qu'il y aura un choc, vous allez voir, l'Allemagne va s'effondrer. Je savais bien que c'était pas vrai. Ensuite, il y a eu l'occupation. Alors, toute la presse faisait l'éloge du nazisme. Je savais bien que c'était pas vrai. Ensuite, il y a eu la libération. Alors, à lire les journaux, toute la France avait été un pays d'héroïques résistants. Je savais bien que c'était pas vrai. Ensuite, il y a eu la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine. Et les mensonges ont continué, vous comprenez. J'espère qu'il y aura eu un petit peu de vérité quand même dans cette émission ce soir. Ah, mais nous ne sommes pas des journalistes, au sens où je l'entends pour le moment. Bon, alors je vous dis bon vent, Michel Tournier. Merci. Et puis, très bientôt pour votre prochain roman. Donc, quel sera le thème? J'aimerais bien que vous nous le disiez ce soir, parce que c'est « Je suis venu vous dire ». Eh bien, je fais un western. Un western? Oui. Je croyais que c'était sur le métro. C'est autre chose. Ah. C'est pas un roman. Deux livres, alors. C'est un document, le métro. J'ai beaucoup exploré le métro et je vais faire un livre-document sur le métro. Mais la pure fiction, ce sera un western. C'est une famille irlandaise, un pasteur protestant, sa femme et ses deux enfants qui traversent la prairie pour aller en Californie. Bon, alors on se plongera vite dans cette lecture. Ce sera quand, alors, ce sortira? Je ne sais pas, vous savez, je suis tellement lent. Dans 3 ans? Non. Enfin, disons au moins dans un an et demi, disons. Et à quelles éditions, donc? Voilà. Ben, Gallimard. Gallimard, bien entendu. Bon, alors, à bientôt. Merci. De la littérature au cinéma, il n'y a qu'un pas. Retrouvons maintenant Ariel Dombal. Ariel Dombal, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez déclaré un jour, j'ai toujours imaginé que j'irais au paradis, même si je suis un ange déchu. Alors, de quand date la chute? J'ai dit ça, oui, j'ai dû dire ça. Oh, la chute, malheureusement, je crois qu'elle date surtout
quand on tombe amoureux, c'est la perpétuelle chute, parce que c'est vrai que c'est le perpétuel sacrifice et c'est le perpétuel péché. Donc vous avez été un petit le peu... Le péché d'amour. Oui, péché d'amour. Ouais. Donc, en tant que catholique, oui. Voilà, date la chute. Et dans la vie, vous êtes plutôt ange ou démon ? Finalement, je suis plutôt ange. Oh. Ça a l'air un peu prétentieux. Oui, mais on a du mal à vous croire, hein, quand même. Ah, mais non, mais je suis plutôt ange, oui, oui. Ah bon, plutôt parce ange. Que dans votre dernier film, Mécanique Céleste, hein, oui. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes plutôt démoniaque. Hein. Ah, mais oui, mais alors ça, je dois dire, comme dit Romère, je suis une actrice de composition. C'est-à-dire que je suis très différente dans la vie et dans mes films. Alors, ne m'en dites pas plus, on va regarder un extrait de votre film Mécanique Céleste. Mm-hmm. Céleste, ma petite Anne, mais qu'est-ce qui t'arrive? Extinction de voix, on l'a trop chanté. Raconte-moi. Je ne m'attendais pas à te trouver là. Et en robe chic par-dessus le marché. Dans quelle armoire l'as-tu trouvée? Dans la mienne. Généreuse. N'est-ce pas révélateur qu'une psy habille notre petite souillon en blanc? Quel révélateur, c'est que vous le remarquez. Touchée. Mais pas morte. Une volonté de puissance derrière tant de blondeur. Ne vous y fiez pas. Un cas de folie véritablement pathologique. Quel dommage! Une si jolie robe! Bon, alors Ariel, le film sera porté à l'écran le 17 mai prochain. Et ce film est réalisé par la réalisatrice vénézuélienne Fina Torres, n'est-ce pas? Alors, dans ce film, vous incarnez une vidéaste totalement punk, totalement hystérique. Est-ce que vous trouvez que c'est un rôle qui vous va bien? Oh, qui me va bien, j'espère, parce que chaque fois que je fais quelque chose, on me dit toujours « Oh, c'est fantastique, c'est une parodie de vous-même ». Éternellement, on me dit ça. Ça alors, doit être agaçant, à force. C'est un peu agaçant, parce que, eh ben, mais en fait, il faut bien le prendre, parce que ça veut dire « Vous êtes convaincante ». Mais en réalité, cette vidéaste, je me suis inspirée de personnages que j'ai croisés dans la vie et qui sont très sectaires, comme ça, et qui sont très d'avant-garde, et qui pensent que tout ce qui n'est pas d'avant-garde, des ringards, et voilà. Mmh. Et c'était amusant. Alors, il y a une chose qui est totalement bizarre dans ce film, c'est que le film commence avec vous et se termine sans vous. Et on se dit, mais où est passé Ariel? Ah oui, mais moi je trouve ça aussi. Je l'ai vu, je crois, il n'était pas tout à fait fini. Mais voilà, la réalisatrice a pensé que c'était mieux comme ça. Tout à coup, j'ai l'impression que je me dilapide dans les étoiles. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je disparais. Mais concernant votre rôle, on reste un petit peu sur sa fin. C'est un peu dommage quand même. Ah oui, peut-être, c'est vrai. Il n'y a pas de continuité dans le rôle, c'est un peu dommage encore. C'est vrai, je pense ça, vous avez raison. Qu'est-ce que vous dites alors que la réalisatrice vous a un petit peu trompée, grugée ? Non, je crois que, en fait, vous savez, c'était l'histoire de Cendrillon. Et puis, tout à coup, le rôle de Céleste, c'est-à-dire la méchante, celle que j'incarne, a pris un peu trop de place. Alors finalement, clac, un bon coup de ciseau. On la met hors un peu du film parce qu'elle prenait trop de place, je crois. Bon, alors, on peut conseiller aux téléspectateurs, enfin aux spectateurs, d'aller voir ce film? Je crois, parce que c'est une espèce de conte de fées, comme ça, un peu futuriste, plein d'effets spéciaux, c'est très amusant. Mm-hmm. Alors, vous êtes actrice, musicienne, chanteuse, réalisatrice, danseuse. Est-ce que vous avez conscience d'être une super... Est-ce que vous avez conscience d'être une superwoman? Superwoman, j'aime pas tellement le terme, non. Pourquoi? Non. Oh, ben parce que l'idée de super, comme ça, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Non, je dirais plutôt que je suis quelqu'un d'un peu indiscipliné. C'est-à-dire que je ne vais pas tout droit sur une autoroute bien balisée. Je vais par des chemins qui bifurquent et je suis passionnée, donc je fais des tas de choses. Vous êtes un peu fantasque, non? Oui. Oui. Mettons ça comme ça. Mmh. Oui. En fait, ça rentre un petit peu en contradiction avec l'image de la sirène enchantée que vous avez, ou alors la libellule proustienne, comme on a pu écrire sur vous, non? Ça m'a fait très plaisir. Ah, vous aimez bien ça? Libellule proustienne, oui. J'aime tout ce qui est. Je préfère libellule proustienne que Superwoman. Ou poupée Barbie, ça vous n'aimez pas? Poupée Barbie, écoutez, j'y suis habituée maintenant. Et puis, j'ai appris que les poupées Barbie étaient quand même la poupée la plus aimée de toutes les petites filles. Moi-même, j'ai adoré ma poupée Barbie. Alors bon, bah voilà. C'est ce que vous êtes, une femme aimée. Ah, j'espère. Et alors, vous êtes plutôt une femme libre ou une femme libérée? Je suis une femme ni l'un ni l'autre. Je crois, enfin, si, libre tout de même, parce que j'ai une liberté extraordinaire dans le choix de toutes mes entreprises. Je passe, je chante, je me retrouve à l'opéra comique, je fais des films très divers. Mais qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le mot « femme libérée » Dans le mot « femme libérée », c'est l'idée
qu'une femme pourrait sensuellement n'avoir plus aucune entrave, et donc je trouve que ça n'a aucun intérêt, cette idée de la libération féminine. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, on en est revenu, on ne parle plus de libération féminine. Enfin, on parle des conquêtes féminines, ça on ne peut pas passer dessus. Des conquêtes dans quel genre? Le droit à l'avortement, le droit à la conception. Oui. Bien sûr, tous les acquis féministes, comme ça, sociaux, ça, heureusement que nos mères et nos grands-mères étaient là. D'ailleurs, j'ai connu Louise Weiss, une amie de ma grand-mère, et c'est grâce à elle qu'on a le vote des femmes en France. Et c'est pas tellement, il n'y a pas tellement longtemps, vous savez, il y a 50 ans, qu'on vote. C'est assez hallucinant. Alors, est-ce que vous préférez être séduisante ou séductrice? Je préfère être séduisante, mais... Tiens donc, pourquoi? Qu'est-ce qui vous gêne dans le côté séductrice? Parce que séductrice, il y a un côté très, très appliqué, très... Il y a d'abord le mot séductrice, ça veut dire une stratégie très élaborée, alors que la séduction tout court est une chose inconsciente. D'ailleurs, on ne séduit jamais de la manière qu'on croit. Mm-hmm. C'est mille choses qui échappent, qui sont séduisantes. C'est pas une perpétuelle stratégie, un perpétuel calcul qui tomberait complètement à côté. Ouais. Et est-ce que pour vous, la séduction passe par la nudité? Pas nécessairement. Il y a non. D'ailleurs, je crois que la vraie séduction, c'est tout de même le corps semi-voilé. C'est tout de même ça qui est le plus joli. Mmh. Mais il y a des nudités qui sont belles. Mmh. Et est-ce que le cinéma, c'est une façon pour vous de vous délivrer de vos fantasmes? Mais avant de me répondre, Ariel, j'aimerais qu'on revienne sur vos deux premiers films que vous avez réalisés. Alors le premier, c'était en 78, c'était Chasse et croisée. Oui. Et celui que vous avez réalisé un peu plus tard, c'était en 88 et c'était Pyramide bleue. On regarde deux extraits. Oui. Alors, c'est un doux souvenir, ces films, parce que ce sont des fantasmes qu'on perçoit, non? Peut-être, je ne m'en rends pas compte. Mais en réalité, quand on écrit des histoires et qu'on écrit un personnage, comme ces deux films que j'ai faits, je suis autant dans les hommes que dans les femmes, vous voyez. Je les ai écrits, donc je ne me rends pas très bien compte où je suis dans le film. Mais la main qui étrangle, qui vous étrangle, ça vous fait souvent ce rêve un peu étrange, un peu sordide? La main qui étrangle, oui, c'est quelque chose qui me fait peur, oui. Probablement, parce que ça surgit comme ça. Parce qu'il est vrai qu'au cinéma, vous êtes, on vous fait souvent mourir. Hein. Vous êtes souvent empoisonné, assassiné, étranglé. Est-ce que c'est plus difficile d'interpréter la mort, par exemple au cinéma, que des scènes d'amour ou des scènes comme ça qui sont un peu Les scènes d'amour, c'est ce qu'il y a de plus difficile à interpréter parce que c'est extrêmement périlleux. Ça peut être ridicule. En même temps, évidemment, on a envie que ce soit crédible. Il faut montrer le corps, mais pas trop. C'est totalement complexe à tourner. Et d'ailleurs, les acteurs ont toujours peur des scènes d'amour dans tous les films que j'ai faits. Ça, c'est certain. Donc, et ce genre de scène, c'est difficile à jouer? Est-ce qu'on n'a pas le sentiment d'être un peu... dévoilé? Qu'est-ce qu'on ressent? Quelquefois, c'est très pénible, les scènes d'amour. Quand on n'aime pas un partenaire, on est obligé de faire beaucoup d'efforts pour que ce soit crédible. Mais sinon, non, parce qu'on est dans un personnage. On est tout de même dépossédé de soi-même. On n'est plus soi-même. On joue quelqu'un d'autre.
dans la vie, on n'est pas comme ça. Mm-hmm. On est autre chose. Mm-hmm. Un jour, vous avez dit, si je n'avais pas fait ce métier, j'aurais dû aller voir un psychanalyste. Ah oui. Ça, vous l'avez dit. C'est vrai que quand on regarde ces deux scènes, ces deux extraits, on peut comprendre quand même. Vous êtes un peu tourmentée. Oui, je ne me rends pas compte. Mais un psychanalyste, oui, j'ai dû dire ça. Mais en réalité, je n'aimerais pas aller chez un psychanalyste parce que je n'aimerais pas me raconter. Je trouve que c'est formidable de faire du cinéma et de jouer d'autres personnages parce qu'on sort de soi-même et ça vous permet un parcours étonnant sans se poser trop de questions sur soi. Bizarrement, la comédie et le fait d'incarner tout, la violence, le crime, mourir, être jaloux, vous libère dans la vie énormément. Je trouve que c'est le métier le plus étonnant. Mm-hmm. C'est pour ça, et au cinéma aussi, parfois, il vous est arrivé de refuser des rôles parce que justement, vous étiez obligé un peu de donner de votre oui. personne. Mais oui, bien sûr. Je crois que si on m'avait demandé de jouer Basic Instinct, je n'aurais pas pu le faire, par exemple. Oui. Il y a des rôles que... Josiane Balasco, elle ne vous avait pas proposé un rôle un petit peu bizarre un jour? Oui, elle m'a proposé ça. Et j'aimerais beaucoup travailler avec Josiane Balasco. Là, il s'est trouvé que je n'ai pas fait ce rôle. Mais c'est quelqu'un que j'estime et je la trouve merveilleuse. Et c'était quel rôle? C'était un rôle C'était un rôle de métamorphose un peu. Ah. Vous deviez être à la fois une femme et un homme, c'est une ça? Une femme et un homme. Et vous conduire comme un homme parfois. Oui. Alors que vous étiez femme. C'est ça. Mais en même temps, androgyne, ça ne me gêne pas. Mais là, c'était sur un mode de comédie, et puis il y avait une chose un peu scabreuse. Enfin, ça s'est trouvé que j'ai pas accepté, mais... Scabreuse, mais... à la limite du vulgaire ou du choquant? Peut-être pas pour les autres, mais pour moi, oui, ça l'était. Vous nous direz pas. Là, c'est de la pudeur. Quelque chose comme ça. Il vous arrive de poser des questions à Dieu, parfois, ou non? Il m'arrive pas de poser des questions, mais il m'arrive d'essayer de lui parler, oui. À vous lui parler? Oui, je prie. Ah oui, vous priez, souvent. Oui. Mm-hmm. Oui. Oui, je prie souvent. Quand vous êtes heureuse ou quand vous êtes malheureuse, vous priez? Je dois avouer humblement que c'est plutôt quand je suis malheureuse que je prie. Je vous propose maintenant d'écouter cette confidence que vous avez faite il y a 3 ans lors d'une émission de télévision. C'était un témoignage assez émouvant. Bon. On écoute. Je me souviens que la première fois où j'ai vu un Christ crucifié, J'ai pleuré, je me disais c'est atroce, cette chose est atroce. Et au même temps, j'avais comme une espèce de jubilation, une sorte de chose. Ça m'a révélé à moi-même. C'est cette image de l'homme comme ça, de l'homme qui souffre. Et ça, pourquoi? Ça m'a attiré. Vous êtes gênée de revoir ces images? Oui, un peu, oui. Parce que c'est, pour moi, c'était quand même des images très transgressives. Mm. Parce que je suis catholique. Mm-hmm. Et donc, ça, c'était pour moi une chose où je me dépassais moi-même, où je suis gênée de revoir ces images. Mais parce qu'il faut quand même dire aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir que quand vous êtes, il y a un extrait de film, hein, quand vous êtes allongé avec, le Christ, avec l'image du Christ sur vous, c'est un extrait de Pyramide Bleue. Oui, hein. C'est ça. Oui, à cette époque, enfin il n'y a pas longtemps, en 88, hein, vous étiez habité par de drôles d'idées de... Oui, oh, je n'ai pas fondamentalement changé. Non, je suis la même. Mais là, c'est en effet un passage de mon film un peu spécial, voilà. Parce que quand on voit cet extrait, on pense forcément à Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, qui au XVIe siècle disait qu'elle entretenait des relations charnelles avec Dieu. Évidemment,
quand on lit les grandes mystiques, alors on s'aperçoit c'est souvent plutôt un langage extrêmement sublimé, extrêmement, tout un langage de l'extase qui fait qu'on a l'impression qu'elle s'adresse à Dieu comme si elle s'adressait à un amant. Mais ce n'est pas ça, c'est simplement une question de langage poétique, de sublimation, d'exaltation. Mmh. Mais en réalité, je crois que le sentiment mystique, quand on l'a, est une chose totalement admirable. Et vous l'avez, ce sentiment? Et un dépassement? Malheureusement pas, non. Moi, je suis quelqu'un de croyant, mais je ne suis pas quelqu'un d'extatique. J'adorerais être Sainte-Thérèse d'Avila, mais... C'est loin d'être le cas. Et quand vous avez vu pour la première fois le Christ crucifié, vous aviez quel âge ? En réalité, j'avais 4 ans. Ah oui, vous étiez toute petite. Oui, toute petite, oui. Oui. C'est dans ce contexte, je ne sais plus pourquoi c'est arrivé, mais j'ai pleuré plutôt, parce que j'ai trouvé que cet homme qui était crucifié et torturé, je trouvais ça terrible. Mais j'ai vu ça dans des églises mexicaines et j'ai pleuré. Plus tard, j'ai été très sensible au baroque du Christ. Mm-hmm. Et à la beauté plastique de ces Christ en bois. Mais ça, c'est plus tardif. Et vous aimez chanter des requiem, des messes? Oui, j'aime beaucoup. Et ça, j'en chante. Et vous savez en chanter? Le requiem de Forêt, il y avait un petit bout là que je chantais, oui. Vous êtes capable comme ça? Non, difficile. A cappella? C'est difficile, oui. C'est pas... Ah non, c'est difficile, mais c'est... Bon, on peut se mettre à chanter comme on peut se mettre à jouer comme ça, mais bon... Il faut quand même un peu plus de concentration. Mmh. Et puis, la musique, ça nécessite des instruments. Sans ça, c'est un peu... Mmh. Vous avez aussi une grande admiration pour la Vierge Marie. Et avant de me donner votre sentiment, je voudrais qu'on regarde ce reportage de Maurice Olivari. Voici un véritable tour d'Italie par miracle interposé. Toutes les vierges et tous les saints, en fait toutes les images et toutes les statues qui, depuis 2 mois et demi, sont supposées avoir lancé un message à l'humanité. À chaque fois ou presque sous forme de larmes de sang. Répartition géographique quasi parfaite, aucune région n'est épargnée, et dans cette série, c'est l'image de la Vierge Marie qui revient avec le plus d'insistance. Et ces Vierges Marie qui versent des larmes de sang, ça vous effraie, ça... Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a... Oui, je ne suis pas très, très crédule et je ne suis pas fascinée par ce genre de miracle. Je n'y crois pas, ça me semble une chose factice, mais après tout, bon, peut-être que c'est vrai, j'en sais rien, mais ça ne me bouleverse pas et ça n'évoque rien pour moi. J'ai l'impression que c'est factice. On va revenir un petit peu au cinéma, Ariel Dombal, au cinéma, aux séries télévision. Il est vrai que vous avez beaucoup tourné dans des séries américaines. Oui. Hein? Mm-hmm. Ça, c'est parce qu'aux États-Unis, vous êtes une grande, grande star. Hein? Aux États-Unis, on m'a pris pour jouer des choses plus comiques, de la comédie. Mm-hmm. Et c'était formidable. Et je dois dire que travailler dans ces grandes séries qui traversent le monde comme ça, qui sont vus dans tous les pays et que les gens aiment et que les ménagères regardent, les ménagères et moi, eh bien c'est formidable. C'est exaltant à tourner, c'est amusant. Bon, alors on va écouter cette musique qui n'a rien de poétique. Ton univers impitoyable. Alors, on va rétablir la vérité ce soir. Est-ce que vous ou non, les producteurs de Dallas, vous avez proposé de remplacer Sue Ellen? Non, pas Sue Ellen. On m'a proposé de faire une autre série qui s'appelait Héritage. Mais vous ne deviez pas être dans Dallas?
Non, pas dans Dallas, non, 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 pas dans Dallas. Pas dans Dallas. Non, non. Ah bon. Non, non, mais écoutez, c'était presque la même chose. Ça s'appelait Héritage. C'était à peu près le même canevas et les mêmes histoires. Et pourquoi vous aviez refusé ? J'avais refusé parce que je n'avais pas envie de m'exiler aux États-Unis. Et que, voilà, c'était avant tout ça. Et que quand on tourne dans ces séries, il faut signer un contrat qui vous lie à la maison de production, à la chaîne de télévision, pendant minimum 5 ans. Et j'avais pas envie de ça. Et puis si vous vous étiez exilé aux États-Unis, vous n'auriez peut-être pas rencontré Bernard-Henri Lévy. Hein. Voilà. Vous allez lui conseiller d'aller voir votre film Mécanique Céleste, non ? Oh, il y a beaucoup de films que je fais qu'il ne voit pas. Hein. Certains, vous dites, pour certains, vous dites, il ne vaut mieux pas, il vaut mieux qu'il ne voit pas ce film. Peut-être. Ouais. Pas Mécanique Céleste, quand même. Non, 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 non. Non. Il n'ira pas enfin, le voir. Non, mais il a assez peu de temps. Et donc, c'est vrai que souvent, je veux aller au cinéma avec lui. Et donc, on va plutôt voir des films où je ne suis pas, parce que c'est plus amusant. Pour moi, surtout. Vous êtes toujours aussi heureuse. Oui. Bah alors, on va terminer l'émission maintenant avec un de vos ancêtres, ma très chère Ariel, Laure Maxime Sonnery de Fromental. Voilà. Alors, si je vous dis Jean, que me répondez-vous ? Jean, qui doit être un de mes ancêtres ? Oui. Jean-Louis Sonnery de Fromental. Jean-Guillaume. Jean-Guillaume, peut-être. Non, pas Jean-Louis, Jean-Guillaume. Oui. On continue, Jean-Guillaume. Je ne sais plus. Berton. Ah, vous ne connaissez pas votre aïeul. Si je vous dis maintenant Jean-Guillaume Berton de Fromental, qui était ce monsieur ? Eh bien, je ne sais pas. Ah. Non, non. Ah, zut, alors. Je connais plutôt la branche Dombasle, Mathieu de Dombasle, qui a fondé l'école des eaux et forêts. C'est du côté de ma mère. Et qui a aussi inventé une espèce de socle à charrue qui a révolutionné l'agriculture. Formidable. Oui. Alors, en parlant de révolutionner, révolution, donc ce monsieur, qui est donc votre aïeul, était conseiller du roi Louis XVI. Il était notaire à Lyon. Ah, et oui. Il fut condamné à mort par la commission révolutionnaire de Lyon. Et il a été fusillé. Hein. C'était le 11 décembre 1793. Mais ça m'amuse parce à l'âge de 54 ans. Et regardez, on l'a retrouvé. Mais c'est formidable, écoutez. Non, c'est très amusant. Comment vous avez trouvé ça ? Ah, mais écoutez, on a fait une petite recherche. Mais c'est bien, c'est génial. Mmh. Mais vous ne saviez pas du tout que vous aviez un aïeul aussi respectable ? Non, écoutez, vous savez, c'est tellement compliqué les arbres généalogiques. J'avais regardé une autre branche un jour pour m'amuser, mais celui-là, j'ignorais. Mmh. Donc c'est très gay. Je vais même ajouter, la famille Berton de Fromental a été victime de la Révolution. Et c'est l'une des dernières filles, Berton de Fromental, qui s'est mariée avec un Sonnery de la région textile de Lyon. Voilà. Mais ça m'amuse, je suis ravie de savoir ça. Bon, bah alors mademoiselle, c'est Sonnery de Fromental. Voilà. Bon, voilà. Écoutez, j'ai été ravie de vous recevoir. Eh bien, moi aussi. Et puis, c'est bientôt votre anniversaire. Merci. Bon, alors, bon anniversaire. Merci. Et puis, à bientôt. Mais oui. Oui, vous n'avez pas été trop choquée de revoir certaines images ? Non. J'ai été ravie. Ça m'a fait faire un petit voyage, comme ça, dans le passé proche, finalement. Bon, bah alors, on va conseiller aux téléspectateurs de faire un petit voyage dans la nuit. Alors, bonne nuit, faites de beaux rêves, et surtout, n'oubliez pas, rendez-vous mardi prochain. Dans un instant, Coucou, présenté par Christophe de Chavannes. Non. Vous voyez déjà Charles Aznavour. En haut de l'affiche, à la Bohème. Enfin disponible en cassette vidéo. Elle va mourir. Le concert intégral de Charles Aznavour au Palais des Congrès de Paris. Une cassette TF1 vidéo. Votre avenir sur Sirial et par téléphone au 36 70 20 36. 36 70 20 36.
artisans et PME, une grande nouvelle pour vous. Avec Cybelle et IBM, pour 1400 francs hors taxes seulement, voilà votre solution logicielle complète. Comptabilité, facturation, paye, traitement de texte, tableur, fax et Minitel. Faites profiter votre entreprise de la qualité d'IBM et de Cybelle et téléphonez vite au 05 308 308. Voici le nouveau Hollywood sans sucre. Un chewing-gum sans sucre qui a de la fraîcheur. Et qui dit fraîcheur, dit fraîcheur. Hollywood sans sucre, au goût très frais. 3617 Sexhotel, testez votre sexualité. 3617 Sexhotel. Bruce Springsteen. 18 titres de légende pour la première fois sur un même album. Bruce Springsteen. Salut, c'est Tabata Cash. Sur mon nouveau jeu, je suis caché et tu dois me retrouver. Il y a une surprise à l'arrivée. Alors viens vite sur le 3670 68 68. Venez avec votre amour des beaux terrains pour suivre le match avec le roi Merlin. Des racines, du cœur, de la fierté. L'esprit de la Coupe colle à la peau du Sporting de Bastia. En finale de la Coupe de la Ligue, le peuple corse rêve d'une victoire pour un incroyable défi européen. Face au tout-puissant PSG, bien décidé à ne pas laisser échapper la première finale d'une saison exceptionnelle. Pour une place en Coupe d'Europe, PSG Bastia, finale de la Coupe de la Ligue, mercredi 20h45, en direct sur TF1. Monsieur, voilà, ils sont tous là. Jean Mademoiselle, Jean Muriel. Oh, les Dupont sont là aussi, tout ça. Oh, ça, je dis pas bonjour à tout le monde, mais surtout, je l'applaudisse moi-même. Et c'est pour toute cette troupe qui est ici. Une émission un petit peu particulière et axée notamment sur la Belgique ce soir. On peut voir le décor magnifique qui se rapproche évidemment de Hergé, qui était belge, et de tous les personnages qui sont ici. Et qui sont... Il y a même Tintin, disons, salut Tintin, c'est pas le même que Sevran, hein, c'est pas exactement le même. Bien, je vais vous demander maintenant d'accueillir celle qui va nous accompagner pendant cette petite heure, qui va être avec nous. On est ravis de la recevoir, c'est la première fois, elle est charmante, elle est jolie, c'est une comédienne formidable, elle est sur scène en ce moment, on parlera d'elle tout à l'heure. Vous avez pu la découvrir dans un film avec Gérard Depardieu qui s'appelait Mon père, ce héros, ou dans L'Appa, il n'y a pas très longtemps. Et voici Marie Gillin, hein, mesdames, messieurs, allons-y. Gillin accompagné, alors, vous êtes belge, Marie, n'est-ce pas? Oui, de Liège. Vous êtes belge de Liège? Oui. Et vous vivez près de Liège? Oui. Pourquoi avez-vous un micro que normalement vous avez celui-là qui doit suffire? Parce qu'il ne marche pas. Il ne fonctionne pas? Non. Alors celui-là, vous le mettez là, alors. Vous habitez près de Liège? Oui, j'habite près de la frontière hollandaise. Alors ce sont les Gilles? De Binche, oui. Gilles de Binche, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Hein, c'est comme ça qu'on dit? Comment? Gilles de Marchienaupont. Les Gilles de Marchienaupont. Donc c'est à côté de... Je ne sais pas. Vous ne savez pas, très bien. Les Gilles, alors donc c'est ce costume tout à fait épatant, bonjour les garçons, belge, et on aura l'occasion de vous voir tout à l'heure. On cherchait des costumes en fait pour s'habiller en belge, mais là on a trouvé, c'est clair. Qui sont ces garçons-là? Ça, ce sont les tchantchés, c'est ça, hein? Les tchantchés, non? Les musiciens. Bah, avec le foulard de tchantchés quand même.
Ah, quand même, elle est belle, je sais de quoi elle parle, hein, quand même. Bien. En tout cas, merci, messieurs, on va avoir l'occasion de vous revoir tout à l'heure pour une farandole tout à fait épatante. Les Gilles, vous avez des grosses poitrines, hein, tous. Pas trop chaud ? Ça va bien, ça va bien. Très bien. Nous allons enchaîner, mesdames, messieurs, avec immédiatement celui dont... Bien sûr. On va retrouver immédiatement celui dont toutes les grands-mères raffolent, mesdames, messieurs. Voici Patrice Carmousse. Ça sent les frites. Je sens que la frite, oui. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos amis du public. Ça sent pas la... Mais ça sent... Ça sent la frite, ça sent un la petit frite peu. Hein. Est-ce qu'il y a des Belges ce soir parmi nous? Ah, madame. Une. Bonjour, mademoiselle. Bah, généralement, ils sont 200. Oui, mais là, elle est toute seule. Non, c'est parce que je suis spéciale Belgique. Et Marie-Gilles vient. Ou alors, ils vous ont oublié de la semaine dernière. C'est possible. En tout cas, vous allez voir, ce soir, on va parler de vous, mademoiselle. Et là, on va parler immédiatement de... Quoi qu'il fait. De quoi qu'elle a. Du quoi qu'elle a. C'est de quoi qu'elle a. Quoi qu'elle a. La semaine oui, dernière, c'était le quoi qu'il fait. C'était le jeu où les téléspectateurs qui regardent la télé doivent se rendre compte de ce qu'a une personne. Et là, c'est quoi qu'elle a. Quoi qu'elle a. C'est pas quoi qu'elle fait, non. C'est quoi qu'elle a. Cette dame que nous allons présenter immédiatement et qui doit être dans un petit endroit que nous allons découvrir d'ici quelques secondes. Vous êtes sûr que c'était maintenant, Patrice? La voilà. Oui, la voilà. La voilà, cette dame. Madame... Il s'agit de Madame Blanchard. Madame Blanchard. Madame Blanchard a un prénom Yvette. Et Madame Blanchard. Il lui arrive des choses. A une particularité. Ouais. Le jeu de ce soir, c'est de découvrir cette particularité. Évidemment, la personne qui va découvrir cette particularité aura le cadeau. Au 42, 48, 16, 16, par le 16 et le 1, si elle habite la province, cette personne qu'elle appelle. Est-ce que vous voulez qu'on donne tout de suite un indice, peut-être, pour mettre un peu Marie peut-être, sur la route et puis peut-être. C'est moi qui dois trouver ? Non, les téléspectateurs aussi. Mais Marie pourra peut-être aider les téléspectateurs. Alors, tout à l'heure. Madame Blanchard, elle sait très bien pourquoi. On est passé directement de Napoléon Ier à Napoléon III. Elle le sait. Elle le sait. Enfin, elle se dit, il y a un truc. Quoi. A un si truc. On passe directement de Napoléon Ier à Napoléon III. N'est-ce pas, Madame Blanchard ? Mais bien sûr, je le sais, voyons. Vous allez bien, Madame Blanchard ? Oui, je vous en prie, je vais très bien. Mais vous êtes là, pardon. Voilà, je vous cherchais tout à l'heure. C'est qu'il faut regarder. Mais on vous regarde. Donc, vous avez vraiment quelque chose de très, très étonnant. On ne va pas en dire plus tout pour l'instant. Je vais essayer, oui, en effet, de vous faire faire quelque chose d'étonnant. Mais en tout cas, de nous dévoiler des choses étonnantes. Je l'ai vécu pour voilà. Ça. Des choses que vous avez vécues. Voilà. Et la personne qui trouvera, grâce à vous, Madame Blanchard, aura un cadeau. Absolument. Merci, Madame Blanchard. Alors, tout de suite. Bonne chance. À tout à l'heure, Madame Blanchard. Merci beaucoup. On va parler d'autres actualités, si vous le voulez bien. Je l'ai dit en début de cette émission, on a eu l'occasion de vous découvrir pour le grand public avec Gérard Depardieu dans Mon père, ce héros. C'était il y a 3 ans. C'est ça. 3 ans. 3 ans. Je devais avoir 16 ans. Ah oui, donc c'est dire qu'aujourd'hui, vous avez 28 ans. C'est ça ? 19, oui. 19 ? 19 euros. Et qu'est-ce que ça fait quand on a 16 ans de jouer avec un homme, car c'en est un, comme Gérard Depardieu ? Bah avant tout, moi je trouvais ça inouï. Et ce qui était drôle, c'est que comme j'étais pas encore tout à fait consciente, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un ami en face de moi. Et il l'a joué comme ça, lui. Voilà, il l'a tout à fait joué comme ça et c'était vraiment... Ça allait de soi. Oui. Quel a été votre passé ? Parce qu'on ne connaît pas, est-ce que vous avez fait des cours de d'art dramatique ? Est-ce que vous baignez dans le milieu du cinéma ou du théâtre depuis des années ? Ou est-ce que c'est venu vlan-pouf comme ça ? Ouais, c'est-à-dire que ça me chatouille depuis très longtemps, mais c'est parce que j'avais répondu à une annonce de Jean-Jacques Hano qui te cherchait à l'époque Jane March pour l'amant. Ouais. Et j'avais répondu, on m'avait rappelé à Bruxelles, et puis depuis j'ai fait le casting de Mon père, ce héros, et puis après j'ai eu la chance de pouvoir continuer. Ouais. Donc comme quoi, quand on a du talent, il faut aussi un peu de chance et tomber sur une annonce et y répondre. Oui. C'est ça pour les jeunes filles. Une bonne marmite de chance quand même. Et c'est pas forcément cette annonce qui donnera le premier rôle, c'est en fait. La preuve. Alors là, votre actualité, allez-y. Non, il l'a pas aussi. Oui, bien sûr. Tu vas voir, puisque c'est toujours sur les écrans. Film de Tavernier, le dernier. Oui. Vous êtes là-bas. C'est ça. Vous êtes cette jeune fille qui existe, qui est aujourd'hui incarcérée et qui a, avec l'aide de deux camarades, commis des exactions, voire des crimes terribles pour pouvoir voler les garçons qu'elle allumait. Vous avez tout dit. Hein, c'est ça. Est-ce que, alors, quand on, sachant que les personnages existent, que l'histoire est très récente, que c'est vraiment tout à fait dans l'air du temps, est-ce qu'on a un problème quand on a votre âge pour interpréter ce genre de personnage en se disant, je sais pas quoi. Pas vraiment, parce qu'au départ, Bertrand nous avait dit qu'il voulait s'éloigner du fait divers pour parler de quelque chose de plus actuel, donc on n'avait pas les mêmes noms. Bertrand Tavernier. Donc il y avait vraiment une reconstitution d'après le livre de Morgan Sportes, mais donc on n'a pas vraiment eu à faire d'identification par rapport au réel personnage. Donc vous dites pas qu'est-ce qu'elle va penser en me voyant si elle me si, voit. Si, certainement, mais j'essaye de prendre du recul et je me dis que malgré tout, c'est pas vraiment ma responsabilité. Vous l'avez rencontrée ? Non. Vous avez eu envie ? Pas tout de suite, non. Patrice ?
Non, vous préférez rester un peu. Ça se comprend, vouloir rester un peu loin de ça. Non, hein, tout se comprend. C'est un film, mais c'est pas une enquête. Non, non, c'est clair. Enfin, c'est un film tiré d'une voilà. histoire tout à fait réelle. Une histoire aussi, donc, qui est tout à fait réelle. C'est le journal d'Anne Frank que vous interprétez au Théâtre Héberto. Oui, pour le moment, jusqu'au 30 juin. Pourquoi vous dites pour le moment ? Pour le moment au Théâtre Héberto ou pour le moment cette pièce-là ? Les deux. Oui. On va dire les camarades avec lesquels vous évoluez sur scène tous les soirs, Patrice. Oui, Bernard Crombé, Nathalie Neil, Geneviève Niche, Catherine Arditi. Geneviève Niche, hein ? Miche, on dit. Miche. Non, mais il n'y a pas de problème. Et c'est une mise en scène de Pierre Franck. C'est ça. Oui, il y en a d'autres. Hein, mais... Oui, il y en a d'autres. Et ça, c'est un personnage lourd aussi. Lourd, mais en même temps, c'est le destin qui est tragique. Elle, c'était une jeune fille très simple, très fraîche, en même temps très lucide. Et... Le journal d'Anne Frank, pour rappeler à ceux qui l'auraient oublié en quelques minutes, c'est dans les années 40, elle était cachée avec sa famille. C'est ça, dans un grenier à Amsterdam. Mm-hmm. Amsterdam, et elle raconte, elle fait le récit de tout ce qu'elle a vu autour d'elle, de l'évolution jusqu'à son départ pour les camps de concentration. Oui. Dont seule une personne, je crois... C'est le père. Hein, se sortira vivant. Hein. Donc ça, c'est très lourd. Quand on vous propose de jouer un personnage comme celui-là, est-ce que ça représente quelque chose de plus terrible à choisir, par exemple, ou de plus difficile, ou de très différent? Ou est-ce que vous plongez parce que vous avez envie de monter sur scène et... Mais de toute manière, chaque histoire est un petit peu différente. Mais là, j'ai un peu reçu ça comme un appel, parce que je me suis dit que si elle venait à moi, ben, je ne pouvais pas faire autrement, qu'il fallait que je la joue, parce qu'en plus, c'est quelqu'un de très, très dynamique. Et justement, c'est un témoignage vivant de l'histoire, à travers le regard d'un enfant, mais qui est très, très vivant. Mm-hmm. Bon, OK. C'est tous les soirs au Théâtre Héberto. C'est tous les soirs au Théâtre Héberto, voilà. Voilà. Marie-Gilles, hein, vous restez avec nous toute cette émission. Vous êtes belge, on va parler de la Belgique, ça tombe bien. Mais pour l'instant, on va aller manger quelques frites pendant la pub, et on va se retrouver tout de suite après. Avec des fricandelles. Avec comment ? Des fricandelles. Avec des fricandelles, sûrement, bien sûr. Oui, tout un tas d'autres choses, encore une fois. À tout de suite, Marie-Gilles. À tout de suite. Vous aussi, la publicité. À tout de suite. À tout de suite. Dans le noir noisette entière de Nestlé, il y a 10 carrés. Les 9 premiers, c'est... Pour moi. Et le 10e, c'est... Pour moi aussi. Nestlé, c'est fort en chocolat. 4 millions de francs, c'est le montant total des cadeaux et des bons d'achat que vont recevoir cette année les joueurs du 36-15 Bolon. Ne passons pas à côté des choses simples. Recette au torchon. Appelez vite Tabatakash au 36 70 40 15 si vous voulez tester vos connaissances en sexologie. 36 70 40 15. Un Clusters de Nestlé. Un croustillant assortiment de noix et d'irrésistibles pétales de blé avec une touche de miel. C'est divin. Exquis. Terriblement délicieux. Les croquants qui vont craquer, c'est Clusters de Nestlé. Avec Gisèle Flavy, votre voyance personnalisée en direct. Appelez le 36 70 83 00. Est-ce que les hommes sont des bons pères ? Qu'est-ce que ça veut dire être un bon père ? Pas évident. Côté parents, côté enfants, les avis sont partagés. Je veux essayer d'être le père que j'aurais voulu avoir. Il y a des papas à qui l'on reproche d'être trop présent. Je voudrais qu'on puisse divorcer de son père. Et à d'autres trop absents. Dire que je suis pas là, oui, ça je suis tout à fait conscient. Oui, mais le peu que tu es là, t'essayes pas de dialoguer non plus avec moi. Ça, c'est des histoires d'amour. Des fois, elles sont heureuses et parfois, elles sont douloureuses. Scène de ménage, jeudi, 22h25 sur TF1. Ben, monsieur, nous voici sur le studio Coco pour cette émission en direct
avec Marie Gillin qui nous accompagne. Nous allons parler un petit peu de son pays, c'est de la Belgique. Où habitez-vous, en campagne ou en ville? Ah, en campagne. En campagne. Dans un petit village. Avec des animaux, et avec tout ça? Avec un âne, des moutons, des poules, des chiens, des chats. Ouais, en campagne. Eh oui. Et donc quand vous venez travailler à Paris, vous faites quoi? Vous allez à l'hôtel? Vous avez un pied-à-terre? C'est ça, l'hôtel. Hôtel. Ou petit appartement, ouais, pour le moment. Ok. Patrice. On va peut-être passer voir s'il y a une petite réponse pour M. Blanchard. Et puis juste avant... Madame. Madame Blanchard, oui. Oui, oui, quoi qu'elle a, ça peut être que Madame Blanchard. Oui, c'est sûr. Si je peux être. C'est sûr. Alors, juste avant, je voudrais vous rappeler. Allez-y, Patrice. Vous le rappelez pour le micro-ordinateur. Voilà, il reste quelques jours. Allez-y. Il reste quelques jours pour gagner sur Minitel un micro-ordinateur multimédia. Donc faites 3615 code TF1, rubrique coucou. Voilà, 3615 code TF1, rubrique coucou. Voilà, comme il dit. Exactement, pour le micro-ordinateur multimédia. Pour l'instant, un appel pour quoi qu'elle a. Bonjour madame, bonjour monsieur. Allô, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Faïza. Faïda. Faïza. Saïda. Non. Faïza. Faïza. Ouais, c'est ça. Ok, Faïza. D'où nous appelez-vous, Faïza? D'Aubervilliers. D'Aubervilliers. Faïza, ouais. Donnez-nous votre proposition. Posez-nous une question d'abord. Parce que si vous posez une question, on dit oui, vous avez le droit de faire une proposition. Si on dit non... Est-ce que c'est en rapport avec un phénomène paranormal? Oh, on peut dire que oui. On pourrait presque que dire oui. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Blanchard? Oui. Oui. Oui, Faïza. Bah, je dirais la réincarnation. La réincarnation. Oui. Et Madame Blanchard est en fait une grenouille, c'est ça que vous voulez dire? Bah, je sais pas, peut-être dans une autre vie, oui. Madame Blanchard, s'agit-il de la réincarnation? Oui ou non? Oui ou non? Non. Non. Merci, Madame Blanchard. Désolée, Faïza. Comment? Elle a hésité. Elle a... Oui, j'ai hésité. Elle a hésité. J'ai hésité, enfin, c'est vrai, oui. Non, elle mais a hésité, non. Mais enfin, ça veut pas dire que non. La réponse est quand même... Non. Elle a pas menti. Non. Elle a pas menti, Madame Blanchard. Non. Bon. Faïza. Bon ben. Désolé. Bah tant pis. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Faïza et merci d'être avec nous en tout cas. Merci, au revoir. Nous enchaînons avec quelque chose. Oui. Vous connaissez le théâtre de Thun? Le quoi? Le théâtre de Thun. Non. Ah. Les marionnettes? Oui. Les marionnettes. Ah oui, 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 les marionnettes, oui, oui. Vous connaissez ça? Je connais, oui. Oui. Eh bien, on va accueillir Monsieur Thun lui-même. Immédiatement. Qui est de la 7e génération de gens qui font des marionnettes. C'est-à-dire que ça ne commence pas dans les années 1800. Voilà. Voilà, tout de suite. Rien. Juste avant de voir Monsieur Thun, on va redonner peut-être un petit indice. Alors si elle était noble, on dit celui-là. Hein. Alors pour Madame Blanchard, si elle était noble, on l'appellerait Madame de Catastrophe. Madame de Catastrophe. Voilà, c'est clair. C'était le deuxième indice qu'on vous donnait à propos de ce qui arrive à Madame Blanchard, qui est tout à fait étonnant. Maintenant, Monsieur Thun. Les voici, Monsieur Thun. Bonjour tout le monde. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Walsh, le ketch de Bruxelles, le cousin de Mannequin Piss, de Kéké Flupke, de Tintin, et naturellement aussi de Tchantché de Liège, n'est-ce pas, cher Marie Gillin. Mais je ne vais pas vous raconter plus parce qu'il y a une petite scène du bossu, le bossu ou le petit parisien qui va se passer ici. Attention. Oui, 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 je vois arriver le grand traître Pérol. Oui, moi je fous le corps d'ici, tu sais. Allez, salut. Ah, ma casquette d'abord. Oui, merci. Ah, mon nez maintenant, nom de demain. Applaudissements pour ce personnage, déjà, mesdames et messieurs. Hein? Je suis le traître Perrault. Qui? Oui, Perrault, c'est moi qui ai capturé la petite Blanche de Nefer pour avoir une bonne récompense. Oui, Clet, ça y est maintenant. Voilà la gardère qui arrive. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, traître que tu es là. C'est toi, j'ai tout entendu. Allez, en garde. Non, je saurai me venger et vendre cher ma peau. Oui, c'est ce qu'on va voir. Oh, c'est une bagarre. Tu vas mordre la poussière. Oui, pour ça, j'ai pas faim, tu sais. Tiens, vas-y. Tiens, tu es drap. Clet, net. Ah! Ah, misérable! Misérable! Ah, je meurs. Avec des scoxcos. Et voilà, c'est bien fait pour lui. Vous avez déjà vu ça, Marie? Oui. On va chercher le doigt. Oui, bon, okay, on va s'approcher. Harry, viens que je te donne une baisse, mon sauveur. Ah, Blanche, on va se marier l'un contre l'autre. Oui, ce sera une foyer. Allez, viens. Oh chef, qu'est-ce que trotte. Nazi-t-il une misère. Et voilà, c'est un très raccourci. Ah oui, c'est raccourci. Mais raccourci, mais poétique. Votre spectacle dure combien de temps habituellement?
Pardon. Votre spectacle dure combien de temps habituellement? Ah oui, il dure une soirée. Une soirée, oui. Oui, alors il y a quand même 12 tableaux, un petit entracte, on voit le musée. Combien de personnages? Dans la pièce, il y a une quarantaine de personnages. Et qui sont plus ceux qui viennent vous voir? Les jeunes, les moins jeunes? Alors le public est très jeune. Nous avons un public d'âge moyen de entre 30 et 33 ans. Donc là, vraiment... Ah oui, enfin très jeune, je pensais que vous m'annonciez... Ah non, non, pas les petits. Non, c'est un théâtre de tradition populaire pour adultes. Hein. C'est ah, ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est un rapport avec le Guignol? Non, pas du tout. Bah, c'est un peu la même pensée, la même tradition. C'est-à-dire que c'est au départ un théâtre de tradition populaire pour le peuple, pour les ouvriers comme les Canus. Ben, nous avions aussi notre petit peuple. Et ben, maintenant, évidemment, c'est Welsh qui joue pour un public très large. Il joue en bruxellois français, en bruxellois flamand, en bruxellois anglais et en bruxellois allemand. Hein, Manneke? Oui, je sais faire tout ça. En deux mots, le bruxellois flamand, ça donnerait quoi? Abel, à ce qu'elle a dit que quoi de fausse tourne, les gondes à canifouche, c'est qu'elle invente un trek top nix. Donc je vais dire que ce que je dis ne comprend quand même rien, donc ça sert à rien que je cause dessus. Et en bruxellois anglais? Oh, in English, oh yes, yes. C'est surtout le duc de Buckingham qui parle comme ça. Ah oui, c'est en anglais, oui, c'est en anglais, ce n'est pas en anglais. Mais non, mais c'est vraiment en anglais, mais alors je ne vais pas commencer Bon, merci. À tout traduire. Merci et bravo pour ces personnages et cette poésie. Merci de nous avoir reçus en tout cas. Merci, avec plaisir, merci beaucoup. Nous enchaînons, vous le savez, nous avons une rubrique régulière. Ça s'appelle Les Français parlent-on français. Oui. Vous connaissez ça? Oui. C'est une caméra. J'ai déjà vu, mais voilà, ce qu'on a à dire. Et là, évidemment, comme c'est une émission un petit peu branchée sur nos camarades belges et surtout les vôtres, je rappelle que vous êtes belges pour ceux qui arriveraient, les Belges parlent aux Belges. Nous leur avons demandé de s'exprimer et regardez, ben, ils l'ont fait. Les Belges parlent aux Belges. Je voudrais dire, mesdames, messieurs, bonjour la Terre. Je voudrais dire qu'Alexandre, t'as oublié ton caleçon dans mon appartement à Namur et il est pas très frais, c'est dégueulasse, tout ce que je voulais te dire. Je voudrais dire à tous les Français que c'est vrai, on a un accent, mais vous aussi. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Ah bah, je voudrais dire à mes enfants qu'ils devraient ranger leur chambre. Ah bah, je crois que c'est tout. Je voudrais dire à notre Premier ministre, M. Jean-Luc Dehaene, que bon, il arrête de bouffer, il arrête de faire ses petites soirées au restaurant tous les soirs.